אני אחראי על גלעד, בן נועם שליט, הכלוא אצל כתב אל שהיד עזדין אל קסאם. Les négociations en vue de la libération du soldat captif Gilad Shalit sont au point mort et au sein du Hamas, on accuse directement les États-Unis d'en être responsables. Le dirigeant de la branche dite politique du mouvement terroriste Hamas, Khaled Mashal, a affirmé que c'était Washington qui empêchait les deux parties de signer un accord d'échange de prisonniers. Selon lui, l'administration de Barack Obama met des bâtons dans les roues de l'Union des différentes factions terroristes palestiniennes dans la bande de Gaza, ce qui retarderait la libération de Gilad Shalit. Se prononçant ensuite sur les pourparlers engagés avec Israël dans le cadre de cette affaire, Machal a répété que Benjamin Netanyahou avait rejeté la dernière proposition de son organisation, qui impliquait, on le rappelle, la libération de centaines de terroristes, parmi lesquels certains ayant du sang sur les mains.